Dadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour apprendre une expression en chinois, une chengyu. Donc aujourd'hui, on va en voir une nouvelle. Si vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière, je vous la remettrai juste ici. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent, activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Dans la description de cette vidéo, récupérez votre guide gratuit avec 50 mots essentiels pour manger et voyager en Chine. Et nous, on commence tout de suite. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en Chine, négocier le prix, c'est quelque chose qui se fait pratiquement quotidiennement. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture chinoise et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va apprendre l'expression qui signifie négocier, marchander les prix. Donc cette expression elle va pouvoir être utilisée quand vous parlez de quelqu'un qui est en train de négocier le prix, que ce soit d'ailleurs dans une négociation sur le prix, mais aussi dans une négociation un petit peu plus globale sur des conditions, on va dire, les plus favorables possibles pour les deux parties. Donc cette expression, elle s'appelle tao jia huan jia. Tao jia huan jia. Donc là encore, je vais essayer de vous diviser l'expression en plusieurs caractères pour que vous arriviez mieux à la retenir. Donc vous savez que les chengyu se composent à chaque fois de 4 caractères. Donc là, c'est encore une fois, évidemment, c'est le cas. La première partie, c'est tao jia, tao jia. Donc ça va vouloir dire demander un prix à quelqu'un, proposer son prix, donc ça va être du point de vue du vendeur. Le vendeur va dire voilà c'est tel prix, va tout simplement énoncer son prix. La deuxième partie de l'expression c'est huan jia. Huan jia. Donc c'est faire une contre-proposition, marchander. Donc cette fois-ci ça va être du point de vue de l'acheteur. Donc l'expression est très imagée. En premier, le vendeur propose un prix et l'acheteur fait une contre-proposition. Donc il y a les deux parties, deux fois deux caractères. Et donc évidemment le sens global de cette expression, ça va vouloir dire débattre du prix, marchander donc dans une négociation, pas forcément sur un prix, mais ça peut être dans une négociation plus globale comme je vous le disais. Chacune des deux parties, en fait, dans cette expression, veut les conditions les plus favorables possibles. Donc, le prix le plus bas potentiellement ou le prix le plus haut si on est le vendeur. Et c'est exactement la signification de cette expression. Donc, c'est une expression, je trouve, qui est très représentative de la Chine parce que, comme je vous le disais en début de vidéo, le marchandage est omniprésent là-bas. Dès que vous achetez quelque chose dans un petit marché, vous pouvez bien sûr marchander et au contraire, il faut marchander parce que forcément, quand on est un étranger, on aura un petit peu toujours les prix à la hausse parce que on est considéré un petit peu comme riche, on va dire. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur les clichés que les Chinois ont sur les Français que je vous remettrai juste ici. Mais il faut très souvent marchander et j'ai pour ma part évidemment passé ma vie à marchander quand j'étais en Chine. Et je me souviens surtout de cette première fois où j'étais allée en Chine, où j'étais allée à la Grande Muraille et que quelqu'un qui était donc dans mon groupe avait voulu acheter un service à thé et que finalement il était reparti avec deux services à thé pour le premier prix qu'on lui avait donné pour un seul service à thé à la base. Donc ça m'avait toujours... je m'étais toujours souvenue de cette histoire, ça m'avait un petit peu marqué et je m'étais dit qu'il fallait vraiment toujours, toujours négocier avec les Chinois. Voilà, sur cette phrase, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites anecdotes justement sur le marchandage en Chine. Abonnez-vous à ma chaîne et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.